n'arrivera jamais, Skyou. Notre avenir ne t'appartient pas. Crois-moi, j'en veux pas de ton avenir. J'en ai fait la promesse. Je me battrai pour toi, Harry. Tu n'en as rien à faire de nous. Tu ne nous connais pas. Je sais que tu parles à ta mère, tout comme je parle à mon père. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? Que nous sommes si près du but. Allez, je vais pas laisser tomber vite. Il comprendra. C'est son rêve à lui aussi. Besoin de vous deux. Il nous a maintenant. Accroche-toi, mon pote! Non, pitié! Laissez-le tomber! Thank you.
toi! Je peux pas. C'est fini. Tu vas devoir... Tu vas devoir me tuer. On va guérir le monde, Pete. Ensemble. Je suis désolé. Ah!
faites-moi de la place. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Son pouls est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait? Que lui avez-vous fait? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Pourquoi? Allez, préparez le sérum UG. Au plus vite. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité, le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme? Est-ce que ça existe encore? Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformée. Mais qu'en est-il de vous? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité.
Épisode 1, fini. Cool. J'en sais rien. Hein. Ouh, je peux en prendre ? Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Est-ce que t'as parlé à Miles de ça ? Pas encore. T'es prêt ? Miles... Ça... Ouais. Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi. Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais... parler de ce dont je voudrais te parler, et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr ? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... un jour, qui sait. Je serai toujours là. T'inquiète. Mon pote. À plus. Qu'est-ce que tu veux ? Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont. Pas vrai ? Pourquoi ? Ils ont détruit mon fils. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi ? Le dernier chapitre.